Excusez-moi, 7 h du matin, donc voilà, j'ai la voix un petit peu enrouée. Oh, whatever. Donc aujourd'hui, c'est le look 4. Donc ce qu'il vous faut, bah, j'ai une nouvelle brosse à dents. Yeah! J'espère pas la faire tomber dans la litière du chat. Du gel, j'ai mon petit gel de guimauve. Et des petites épingles, beaucoup, beaucoup d'épingles. Aujourd'hui, on va faire un style toujours un peu dans le style de coiffure protectrice. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, délimiter. J'ai mes raies naturelles, enfin des nattes. Donc, je vais prendre ça. Les cheveux de devant. Voilà, pour faire un petit pompadour. Je vais faire comme ça. Mais voilà, c'est à ce moment-là que la ponderie décide de marcher. Tiens, MDR. D'accord? Donc je vais attacher vite fait. Je vais humidifier mes mains. Il y a juste de l'eau et... Aïe. Oh. Et l'aloe vera. Je pleure. Je suis tellement émue. De l'eau et de l'aloe vera. Donc je vais passer un petit coup de brosse devant. Ensuite, bon petit coup de gel. Aplatir un petit peu tout ça pour que ça reste un peu en place en fait. Et je repasse un petit coup de brosse pour que ça soit vraiment bien machin. Donc maintenant je vais juste, comme on va dire, un petit peu bomber ça. On se croirait que j'allais dans le désert là avec les bruits de corbeaux. Un petit peu. Voilà, faire un petit pompadour et puis l'attacher. On va dire que c'est bon. D'accord. Donc voilà. Si. Bon, ça va. Hein? Ensuite, on va chasser croiser. Eh ben. En tout cas, donc je remets un petit peu d'eau. Je brosse un petit peu. Voilà, un petit peu de gel. Pour clairement, parce que c'est une bosse qui a plati, voilà, qui a plati bien. Donc je pense pas comme une malade. Et voilà, donc je vais prendre une portion de cheveux là et je vais passer derrière et je vais l'attacher de l'autre côté. Donc il me faut voilà, ça. Je vais l'attacher de l'autre côté. Je vais reprendre une portion de cheveux de l'autre côté cette fois-ci. Et je vais l'attacher de l'autre côté. D'accord. Je referai pas pareil. Je prends une petite portion de cheveux sur les côtés. Attacher. Ben, les points s'en vont. Désolée. Je ne veux pas que les points s'en aillent. Voilà.
et on va faire une vanille ou une natte, au choix, vanille ou natte, la petite portion de cheveux qui restait. Alors, cette coiffure, vous pouvez soit la laisser comme ça, et donc avec la vanille qui va tomber derrière, ou soit vous pouvez tout simplement avec la vanille le rentrer à l'intérieur et en faire un chignon. Ça fait un peu plus formel. Bon, je vais à l'école, donc moi je vais faire une nappe pour que ça tienne plutôt. Et je monte le look. Voilà, c'est une autre façon de faire une nappe tout à fait. Ben, on fait avec les cheveux. Donc voilà, bye!